Merci. Je reconnais maintenant pour une période maximale de 10 minutes ce matin. Monsieur le député de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous mes collègues. Bonjour, Monsieur Rousseau. D'abord, je pense que si on est ici, tout le monde, et j'espère, en fait, je crois qu'il y a la même, j'ai déjà entendu la même profession de foi de la part de tous les partis à l'Assemblée nationale sur l'importance de la Caisse dans le développement économique du Québec. Au-delà de ça, dans l'idée que se fait un peuple de lui-même, de ses capacités, de ce dont il a besoin pour assurer totalement sa souveraineté économique, son indépendance, sa force, d'avoir confiance, en quelque sorte, pour agir sur son destin, de ne pas être voué sans défense, être à la merci des puissances financières qui sont importantes, qui aujourd'hui se mesurent aux États dans les mêmes proportions avec les mêmes capacités. Autrement dit, si on est là, dans le fond, c'est pour faire en sorte que ce qui est arrivé à la Caisse, ou le passage, votre passage à la Caisse, et celui de votre, de celui qui va vous remplacer, de celui qui vous remplace actuellement, M. Sebia, ne soit pas instrumental, ne soit pas responsable du démantèlement, du démembrement ou de l'affaiblissement de la Caisse, mais qu'on apprenne de ses erreurs pour faire de la Caisse le véritable instrument de développement économique du peuple québécois qu'on s'attend. Je suis sûr, M. Rousseau, vous n'aimeriez pas si au bout de l'exercice, au bout éventuellement d'une enquête publique sur ce qui s'est passé à la Caisse, que l'histoire retienne de vous, de M. Sebia, comme ayant été les fossoyeurs de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous étiez banquier, vous êtes maintenant au sommet, ou enfin dans la direction de Power Corporation, une multinationale tentaculaire qui a un pouvoir économique et politique considérable dans ce pays. Vous êtes donc de la race de ces élites économiques que les évangélistes du libre-marché érigent en gloire, chantent la gloire, mais qui sont devenus ces nouveaux monarques qui se croient tout permis et au-dessus de tout jugement. Et comme malheureusement, j'imagine que M. Rousseau ne s'attend pas à un quelconque compromis de la part de nous sur ce qu'on pense vraiment. On est ici dans la chambre du peuple et on doit dire ce qu'on pense. Alors, je pense malheureusement que comme souvent l'arrogance et le mépris cachent une certaine lâcheté, vous avez préféré démissionner au milieu de la tourmente. Vous cachez, manquez, je dirais, tout le courage nécessaire pour rester dans la tourmente. Vous avez préféré vous mettre dans la réserve du secteur privé pour vous soustraire au jugement du public et éviter de rendre des comptes à la population, à ses représentants, jusqu'à ce que finalement vous avez été forcé par les événements de vous expliquer. Et alors à ce moment-là, vous avez encore choisi le confort de vos amis de la Chambre de commerce de Montréal pour nous expliquer comment vous avez joué et perdu 40 milliards des épargnes de notre peuple. Pour illustrer, s'il en fallait plus, ce que j'appelle quand même un mépris profond pour les intérêts de notre nation, c'est que vous avez refusé ce que plusieurs vous ont demandé gentiment, à mots couverts, plus directement, c'est-à-dire de renoncer à votre prime de départ, comme vient de le mentionner mon collègue de Shefford. Vous comprendrez alors qu'il est assez difficile pour le peuple en général ou pour ses représentants d'ici de ne pas mettre ça sur le compte, ce comportement, sur le compte d'une certaine culture, culture qui aux États-Unis maintenant, on le reconnaît, c'est dit sur la place publique, la culture de la cupidité qui a régné dans les milieux financiers américains et qui a malheureusement déteint sur aussi nos milieux financiers, nos banquiers, qui a l'exemple, malheureusement, des patrons américains, sans vergogne, donnent tous les droits à ces chefs d'entreprise, y compris celui de donner des primes et des bonus, qu'ils soient compétents ou incompétents, qu'ils fassent fortune, la fortune du public, ou qu'ils ruinent les déposants ou les petits actionnaires de leur compagnie. Je crois d'ailleurs que c'est assez peu rassurant, et ça m'emmène à ma question, pour les petits actionnaires de Power Corporation, de savoir que quelqu'un qui a négligé les intérêts de ses déposants quand il était dans le secteur public
peut, avec autant de légèreté, penser qu'il est au-dessus de toute responsabilité, parce que à chaque fois qu'on vous en a parlé, par exemple, le 9 août 2007, c'était la tempête parfaite, c'était un moment fatidique, comme une calamité du ciel que personne n'aurait pu prédire. Or, vous le savez, et je suis sûr que vous le savez, si moi je le sais, depuis des années, depuis au moins 10 ans, des exemples foisonnent à travers le monde comment cette spéculation peut mener à la ruine des déposants, des petits épargnants, du public en général. En 92, nul autre que Galbraith de Harvard a écrit un livre qui a fait école, Euphorie financière, qui explique l'histoire des crises financières successives depuis 4 siècles. Vous devez être au courant, si moi, un néophyte comme moi est au courant, vous devez être au courant de ça, que l'entreprise de spéculation et la recherche du profit maximum conjugué au bonus. En plus, vous nous dites les bonus. Monsieur le Président, merci. Excusez-moi, sur le temps de la présidente, juste pour mentionner qu'il reste 3 minutes. Et sur l'entente que vous avez eue au niveau des partis de l'opposition. On poursuivra dans les 10 minutes qui me restent. Vous m'avez amputé de quelques instants. Non, je ne vous ai pas enlevé aucun temps, Monsieur le Député. Je préserve vos 10 minutes. Les temps de questions de règlement ne sont pas sur votre temps, sur le temps de la présidence. Sauf que je vous indique, en conformité de l'entente que vous avez avec les autres partis de l'opposition, vous disposez ce matin de 10 minutes, incluant réponses et questions. Donc, il reste présentement 3 minutes maximum pour une période de questions encore ou de réponses, si vous souhaitez avoir une réponse de M. Rousseau. Monsieur le Président, notre œuvre est collective. Il y a des commentaires, il y a une analyse, des réponses qui ont été fournies. Consentement. Je compte aussi bien sur les députés de la partie gouvernementale que de mes collègues. D'accord? Donc, il reste moins de 3 minutes, M. le Député de Mercier. Très bien. Alors, vous dites que les bonus n'ont rien à faire là-dedans, que les bonis au rendement n'ont rien à faire, alors que toute la planète, en Europe comme aux États-Unis, y compris le président américain, tous les experts s'entendent à dire que cette politique des rémunérations des patrons et les bonus au rendement sont une partie centrale qui explique la crise financière aujourd'hui. Vous refusez encore de le reconnaître. Tout ceci étant dit, vous avez, et ça je vous rends grâce pour ça, vous avez fait une assermentation avant de témoigner. Je voudrais vous poser la question suivante. Avant de rentrer à la Caisse en 2002, est-ce que vous aviez des liens d'amitié avec la famille des Marais ou un quelconque lien d'affaires à titre personnel ou dans vos activités avec Power Corporation? 2 minutes. Merci. Il reste 1 minute 30, M. Rousseau. Comme tous les dirigeants d'entreprise, la famille des Marais est connue de tout le monde. Et mes liens d'amitié ou de relation avec les Desmarais, avec les Péladeau, avec les Coutus, avec la famille Bombardier. Je suis dans le milieu des affaires depuis des années, je connais beaucoup de monde. Je voudrais faire simplement une remarque. À tous les Québécois à qui, un jour, quelqu'un va demander d'être un employé, un vice-président, un directeur ou président de la Caisse, je voudrais leur dire que s'ils ont la compétence et s'ils ont le goût d'aller quand même le faire pour servir leurs concitoyens, malgré tout ce qui peut être dit et entendu après qu'on le fait de bonne foi et de lourds sacrifices dans mon cas. J'ai laissé des millions de dollars quand j'étais payé pour venir servir les Québécois parce qu'ils m'avaient bien servi comme jeune. Et c'est pas vrai qu'on va laisser attaquer les gens qui ont fait les travaux à la Caisse avec moi, comme à tous les prédécesseurs, ils étaient de bonne foi. Et quand j'ai dit dans ma conclusion qu'ils travaillent au développement du Québec, c'est parce que chacun d'eux fait des sacrifices. Les gens à la Caisse doivent accepter d'être moins rémunérés que les autres. Ils le font, même s'ils sont bien rémunérés que beaucoup d'autres fonctionnaires, mais ils sont en bas du marché, ils le font parce qu'ils croient ce qu'ils font. Et tous les matins et tous les jours, ils le font au bénéfice des Québécois parce qu'ils savent qu'ils ont un rôle formidable que d'assurer des rentes et des assurances de qualité. Mais c'est devenu risqué faire ce métier et ces positions parce que la chose publique est devenue plus difficile. Et je suis conscient, Monsieur le Président, qu'il y a une crise de la finance, qu'il y a un procès de la finance, mais il faudrait pas que le procès de la finance fasse en sorte que la Caisse ne soit plus capable de recruter des gens de qualité.